On va passer à la dernière partie de ce morceau, avec encore une boucle de 4 accords, mais attention, on est reparti sur 3 temps. C'est-à-dire qu'au début, le... C'est un morceau qui commençait sur 4 temps. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3. Maintenant, on est sur 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc c'est super intéressant. Et la dernière partie, bah, c'est quasiment les mêmes accords, vous allez voir, puisqu'on va repartir de ce Fa majeur 7, escalier parfait, encore de 2, 3, 4, et c'est là où ceux qui avaient commencé le morceau n'ont peut-être pas vu cette partie-là. Donc escalier parfait en Fa majeur 7, plus le petit doigt, sur l'accord de 1, case 3. Le deuxième accord sera le Do, donc en fait, on fait une petite boucle à l'envers. Le troisième, c'est le La mineur. Et le dernier sera Sol. D'accord ? Donc je répète, hein. Fa majeur 7 avec le petit doigt en case 3. Do. La mineur. Sol. Attention, la rythmique est sur 3 temps, ça va chauffer là, dans les ménages normalement. Il y en a qui vont arriver très vite à le faire, et d'autres plus difficilement. La rythmique sur 3 temps, c'est pas évident du tout. Donc, sur le premier, la rythmique, ça fait... Bas, tac, tac, haut, bas, haut. Bas, tac, tac, haut, bas, haut. Donc, vous restez sur l'accord. Et vous faites bas, tac, tac, au bas, au. Et vous en enchaînez plusieurs. Mais, ça ne va pas marcher si vous ne dites pas, si vous ne prenez pas un repère sur le premier temps. C'est-à-dire, je m'explique pourquoi, je m'explique, c'est-à-dire. Je fais mon accord. Et quand je vais jouer ma balade sur trois temps, il faut absolument que je me donne un repère sur le premier temps parce que c'est là où je vais changer l'accord. Donc, on va dire, on va le nommer l'accord, on va l'appeler Fa. Ça va faire donc Fa, tac, tac, au bas, au. Fa, tac, tac, au bas, au. Fa. Voilà, si je le joue en boucle, Fa, tac, tac, au bas, au. 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 Fa, au bas, au. Fa, tac, tac. D'accord, vous pouvez faire le La mineur aussi, hein. Là, le fait que j'avais la guitare vraiment décalée pour vous montrer, j'ai touché un peu les cordes graves, c'était pas très joli. Alors pensez bien à jouer que les aigus sur le Fa majeur 7, là, les 4 dernières cordes du bas, c'est plus joli. Hein. Deuxième point, il faut arriver à le faire swinger ce truc. C'est pas ba tac tac au bas, au bas tac tac au bas, c'est vraiment ba tac tac. Au bas, au bas, tac, tac. Au bas, au bas, tac, tac. Au bas, au bas, Fa, tac, tac. Au bas, au fa, tac, tac. Au bas, au fa, tac, tac. D'accord ? Le but du jeu est évidemment d'enchaîner les quatre comme ça. Je vous montre que ça fait avec les accords. Ça doit donner Fa, tac, tac. Au bas, au fa, tac, tac. Au bas, au do, tac, tac. Au bas, au do, tac, tac. Au bas, au la, tac, tac. Au bas, au la, tac, tac. Au bas, au sol, tac, tac. Au bas, au sol, tac, tac. Au bas, au fa, tac, tac. Au bas, au fa, tac, tac. Au bas, au do, tac, tac. Au bas, au do, tac, tac. Au bas, au la, tac, tac. Au bas, au la, tac, tac. Au bas, au sol, tac, tac. Au bas, au sol, tac, tac. Au bas, au fa, tac, tac. Au bas, au bas, tac, tac. Au bas, au bas, au la. Au bas, au sol. Si ça marche bien, comme ça, à cette vitesse-là, vous rajoutez un petit coup, ça fait ba tac tac, au bas, au bas, tac tac, au bas, 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 au
vous pouvez faire évidemment une pause de quelques minutes pour essayer de gérer ça, c'est pas facile du tout, hein. Et voilà, vous avez tout le morceau. Donc le but, c'est de faire des pauses avec cette vidéo pour travailler partie par partie. C'est sous forme d'exercice qu'il faut le voir, évidemment. C'est peut-être pas un morceau que vous allez arriver à jouer entier de tout de suite. Hein. À part pour ceux qui ont un bon niveau, vous pouvez, bien sûr. Mais sinon, vous le prenez comme un exercice de guitare qui va vous faire progresser petit à petit. Vous allez pouvoir enchaîner les parties de plus en plus rapidement. Et évidemment, arriver à un résultat super joli parce que là, vous avez toutes sortes de guitares à l'intérieur de ce morceau qui sont vraiment super sympas. Ça repart, toujours pareil. Merci à Constance de nous avoir fait découvrir ce morceau. J'espère que vous êtes bien amusé avec cette vidéo et que vous avez bien travaillé votre guitare. Et on se retrouve à la rentrée. Bye bye.